Logé dans une petite ruelle du vieux Périgueux, ce bien atypique risque de ne pas rester très longtemps à la vente. Une belle pièce de vie avec une cuisine ouverte, une jolie terrasse sur l'arrière qui donne sur la petite cour. On a une forte demande sur les maisons de ville, donc je pense que c'est un bien qui peut correspondre. Depuis la fin du confinement, les demandes explosent dans les agences immobilières. Les 3 mois à la maison permis de mûrir les projets et les épargnants, eux, préfèrent désormais investir dans une valeur sûre, la pierre. Aujourd'hui, on revient sur cette pierre-là, sur cette valeur vraie depuis tout le temps, depuis toutes les générations, c'est de se dire, c'est de mettre sur la pierre, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait encore l'année prochaine. Immeubles de rapport, villes moyennes préférées aux grandes métropoles ou encore désir de campagne et de verdure. Dans cette agence, qui travaille sur tout le territoire français, le Périgord est dans le top des ventes. 50% de chiffre d'affaires en plus par rapport à 2019 sur le mois de juin, les biens les plus recherchés étant les plus isolés. Là, c'était vraiment le terrain de chasse des étrangers qui prenaient une petite maison pour la retraite. Là, aujourd'hui, on a énormément de Français, les Bordelais notamment, même les gens de Périgord, d'Angoulême, qui ont des appartements en ville, qui cherchent une petite pied de terre à la campagne, pas trop loin. Des biens pour tous les budgets. Cette demeure, par exemple, a été vendue pour près d'1 million d'euros à Saint-Cyprien. Une vente rapide, loin d'être isolée, nous assure-t-on. Mais alors que la demande semble fortement augmenter par rapport à l'offre, attention à la flambée des prix. Là aussi, un effet indésirable du Covid-19.